Je continue la correction d'exercice. Donc, commence la correction d'exercice numéro 4. Donc, j'ai soit A, V1, V2, V3. Donc, ici, il me donne 4 vecteurs. Voilà. Allez, est-ce que V1, V2, V3, V4 sont des vecteurs propres de A? Maintenant, donc, j'essaie de déduire. Est-ce que ce sont des vecteurs propres de A ou B? À partir de mes vecteurs propres, j'essaie de déduire les valeurs propres. Attends, les vecteurs, ou à partir de ces vecteurs, j'essaie de faire la conclusion. Mais, donc là, je prends l'exercice numéro 4, d'ailleurs. Exercice numéro 4. Mais, exercice numéro 4. Donc, Athénée, il y a. Là, juste. Ah, Athénée, les valeurs Ah, A. zéro, zéro, A. 2, 0, 0. 2, 0, 0. Oui. Aïe. Bah. 0, 2, 1. 0, 2, 1. 2, 1. Ouais. 0, 0, 1, 1, 2. 2. 0, 1, 2. 2. Mais, a-t-il V1? V1 est égal à 0 moins 1. V2. 1, 0, 0. V3. 0, 1. Ou le V4? 3, 1, moins 2. 3, 1. Moins 2. 3, 1 moins 2. Mais, dis-moi. 3, 1 Moins 2. moins 2. Mais, il me demande quoi en fait? Il me demande de vérifier lesquels V1 ou V2 sont des vecteurs propres de A. Comment je peux définir un vecteur propre ça? Mais, là, je me coule V, I, je me fie dans un contexte général, un vecteur quelconque. On s'est mis V. Est un. Une propriété que doit vérifier un vecteur propre. Vecteur propre. Associé. Associé à. À la valeur propre lambda, propre lambda, est un vecteur propre de A, ça mène de A, est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda. Si seulement si, je n'ai la propriété que doit vérifier un vecteur propre. A fois U est égal à lambda fois U. C'est-à-dire la propriété d'un vecteur propre. Ou elle, la femme à l'écdem a tariqa ochra, la femme à l'écdem est égale à A moins lambda et 3 fois U est égal un vecteur nul de R3. R3. Alors, on a les deux propriétés. Il y a une chèque de l'eau. Il y a lambda. Il y a lambda. Il y a la valeur propre. Donc, là, on a le schnabda pour le vecteur. Le vecteur. Le schnabda pour le vecteur l'eau pour V1 égale à Tini les valeurs propres. Les valeurs de V1. 0. Moins 1. Mais, et où il suffit de faire A fois V1. C'est égal à quoi? Comme je suis tabaqué, là. Hey. Ils ont un cas constant fois V1. Comme à Ketchel. Ray, mais je vais vecteur propre. Arrête-moi quelqu'un A fois V1. Admet la lire A. 2. 0, 0, linéaire. Mettre la ligne linéaire, 1. 2, 0, 0, 0. 1.
En bas. 0, 2, 1. 2, 1, en bas. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Allez, multiplie fois quoi? Fois 0, moins 1, 1. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire 0. Dini fois quoi? Et les bas. Je suis en train de faire moins 2 plus 1. Moins 1. Moins 1. Ou les bas, je suis en train de faire moins 1. 1, voilà. Ah, est égal à V1. Oui. Ah, est égal à 1 fois V1. Mais c'est lambda, c'est quoi là? C'est lambda, lambda 1. Donc, je suis en conclusion. Je suis en V1. Je suis en propriété, je suis en constante fois V. Fois 0. Voilà. Fois V1, fois vecteur. Voilà. Donc, là, je vais juste l'argent. Je suis en cours. On a V. On a mal de V. C'est A fois V. Hein? A fois V. On a dit que c'est U. On a dit que c'est juste que c'est U. Je suis en cours. On a dit que c'est la notation. Donc, je suis en cours. On a dit que c'est U. U est un vecteur propre. De A associé à la valeur propre de lambda. Si c'est A fois U, tu gagnes lambda fois U. Et c'est la formule générale. Je vais prendre U est égal à V1. Voilà. A fois V1 est égal à lambda 1 fois V1 avec lambda 1 est égal à 1. Je vais prendre V1. V1 est un vecteur propre de A, qui est là? Oui. Associé à quelle valeur propre? Associé à la valeur propre de A. Voilà, associé à la valeur propre, lambda égale à 1. Hein? نفس الخدمة باش نخدم على اللامدا ايغالا ايغالا 1 2 الفي 2 والفي 3 نخدمها بور في 2 تعاود نفس الخدمة اي هم بعد بور فوالا بور في 2 انت ايغالا عاود من عليه الفي 2 الفي 2 0 0 1 0 0 باش نعمل A فوا V2 اي اعطيني الـ A 2 0 0 اي 0 2 1 0 2 1 اي 0 1 2 0 1 2 هذه ملتوبتي فوا كوا فوا 1 0 0 0 0 بي هات نعمل فوالا Donc, le quoi? Je suis parti à 2. Je suis parti à 0. Je suis parti à 0. 0, 0. Ah, est égal à 2 fois. Là, je prends 2 en facteur 1, 0. Hey, est égal 0. À 2 fois 1, 0, 0. Ah, est égal à 2 fois V2. Oui. Hey. Monsieur Mané, lambda égale à 2. Parfait. Donc, là, est égal à 2 fois V2. Je suis parti à A fois V2. Est égal à 2 fois le oui, vecteur propre, mais je vecteur propre. Donc, la condition oui, taille V2 est un vecteur à 9 ce genre propre de A associé à quelle valeur propre de lambda est égal à 2 associé à la valeur propre lambda est égal à 2 ça met lambda 2 ou la lambda lambda égal à est égal à 2 ah il y a un V3 0 1 1 je chauffe pour V3 je t'amène A V3 est égal à chauffe égal à quoi
عاد اعطيني الا 0 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
تيغال 6 تيغال 6 صار لي تراس دو اي تيغال سوم دي فالور بروبر خاطر هما ديجا 6 سي بون بعد هو قال لي طلعتيه لي فالور هو قال لي ديدوي دي فالور بروبر يعني شنو لقيت انا لقيت المره الاولى صار لقيت ا فوا في ا اي تيغال ا فوا فوا في ا بي انا هادي لامدا ا معناها الفالور بروبر الاولى ايغال ا تيغال ا On bat. Et A fois V2. A 2 est égal à 2. Qu'est-ce qu'elle bat 2 fois V2. 2 fois V2, oui. Je parle lambda 2 est égal à 2. Ouais. On bat. Et A fois V3. Est égal à 3 fois V3. 3 fois V3. Maintenant, ça revient à dire quoi? Que lambda 3 est égal à 3. 3. Donc, tu as là, tu as Donc, à nos les trois valeurs propres de A. Alors, déjà, on va partir de la question précédente. Hein? On déduit les valeurs propres de A. C'est bon? Voilà. Donc, quelqu'un nous amène l'exercice numéro l'exercice numéro 4. Hein? Okay, on achève l'exercice numéro 4.